Bonjour, je suis l'homme qui parle whisky. Aujourd'hui, je vais vous parler du Glenronach 12 ans original. C'est une distillerie qui a été fondée par James Allardyce en 1826. Glenronach signifie la vallée des ronces. Ça a été la première distillerie d'Écosse à élever ses whiskies en fût de Xérès. Encore aujourd'hui, la grande majorité de leurs whiskies sont élevés en fût de Xérès. On dit que c'est une distillerie qui a un distillat très, très lourd et beurré. Donc, à mon avis, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix de la SAQ à 68,25. C'est un whisky qui se chiffre à 43% d'alcool. C'est un whisky qui n'a pas été filtré à froid ni coloré. Alors, c'est un whisky qui est une combinaison de deux fûts, le Pedro Ximénez et le Oloroso. Au nez, on va avoir des notes de chocolat au lait avec les cerises. C'est un whisky qui est assez épicé avec des notes de muscade. C'est très boisé, très vanillé aussi. En bouche, c'est riche, très boisé. Encore une fois, c'est très, très plein. On a de la crème anglaise, des pommes cuites avec encore une fois la muscade qui revient. La finale est longue, légèrement terreuse et boisée. Je vous souhaite une bonne dégustation.